très bien défendu également. Le voici. Et on va voir un match très très serré. Là aussi, ça s'est joué au centième de point. Regardez. Le style, la perfection du cercle, la base du travail au cheval d'arçon. C'est toute l'école chinoise qui parle au travers ce gymnaste de talent. Et là aussi, du grand spectacle. De la part de Di Li, le chinois, que l'on reverra bien sûr à Athènes avec une équipe toujours très très forte. Lors des Jeux Olympiques, on se souvient d'un concours extraordinaire par équipe face aux Russes et aux Roumains. Lors des Jeux Olympiques de Sydney, ça avait été un grand, grand moment des Jeux Olympiques d'été à Sydney. Oui, l'école chinoise aux arçons, ça aussi c'est quelque chose d'impressionnant. Et toujours cette ligne absolument extraordinaire qui est due en fait au physique même des gymnastes. Oui, je pense que la morphologie aide beaucoup à ce niveau-là. Enfin, toujours riche d'enseignements et tout le monde a beaucoup cherché à copier cette technique. Voilà, la perfection jusqu'au bout de la pointe de pied dans cette finale d'exercice. Voilà. Très très belle prestation du chinois et toujours l'inoxydable Marius Urzik.